Bon Dieu bénis nous, grâce bon Dieu couvre nous. C'est un réel plaisir pour moi encore pour capable rejoindre nous dans un petit coup de vidéo tout petit pas trop long. C'est un petit information ou un petit étude d'un tout coup. Nous le fait passer à travers des jeunes élèves noyaux qui ont une inquiétude. Donc, qui te demande nous, pour nous capables de faire une petite lumière donc, sous thème ça. Et c'est la raison ça qui permet que nous graver étude ça qui n'est pas trop longue, juste pour nous capables de faire une petite lumière et sous un thème qui paraît difficile pour un peu le monde qui sait. Pour lire en d'autres langues. Je comprends? Parler en d'autres langues. Donc, il y a un monde qui a un doute. Est-ce qu'il est biblique? Est-ce que jusqu'ainsi, et chrétien, serviteur, servant de bon Dieu, tu as dû continuer à parler en d'autres langues? Donc, moi-même, ce n'est pas moi-même qui parle dire nous avec propre idée ou connaissance, pas moi. Mais plutôt, on a la Bible, et puis la Bible, c'est lui-même qui va dire nous et tout détail, ça nous doit faire, et ça que nous pas doit faire. D'accord? Donc, c'est une raison qui fait nous venir avec thème ça, qui c'est, est-ce que je dis à un serviteur, un servant bon Dieu, qui n'a pas assemblée ou bien n'importe côté lié, est-ce que les cas remplis du Saint-Esprit et puis pour parler en d'autres langues. Qui ça, Bible a dit sur ça? En alloué, tout détail ensemble avec moi pour la gloire de Dieu. Ok, donc nous allons lire un verset dans le livre Actes des Apôtres. Et puis nous allons voir qui sa Bible a dit sur ça. On allait dans Actes chapitre 2, on va aller dans verset 4 là. Actes chapitre 2, verset 4. Mais ça dit, yo, tout te vin en bas pour voir Saint-Esprit. Et puis, yo prend parler l'autre langue d'après Jean l'Esprit, bon Dieu, t'a fait yo. Parler. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, ouais, parler en d'autres langues, c'est Saint-Esprit même qui fait un monde parler en d'autres langues. Il dit, c'est pas un bagage petit, non? Est-ce que vous comprenez? C'est Saint-Esprit même qui peut inspirer dans un serviteur, dans un servante, et puis pour le capable arriver à parler en d'autres langues. Ok? En nous allant ensemble avec Konya dans le même livre de travail, là, c'est chapitre 10, verset 44, rivé dans verset 46. Mais ça le dit. Puis il a parlé toujours, le Saint-Esprit a descendu sur tout le monde qui t'a coûté le message. Là. Verset 45. Fois qu'il est sorti la ville, Jopé ensemble avec Pierre. Ces juifs yoté saisi ouais qui j'ai bon dit te bay moun qui pas juif Saint-Esprit en quantité yoté tande moun l'autre nation yo t'a parlé dans l'autre langue yo t'a fait louange bon Dieu yo t'a dit Jean les gain pouvoir laisse ça Pierre dit OK et puis là rentrer dans verset 44. Ça veut dire que ça, c'est un autre verset. Nous avons encore, et maman verset d'abord, qui montre nous parler en d'autres langues. Donc, les bibliques, ce n'est pas un bagage qui a inventé, mais c'est Saint-Esprit même qui baille l'autre. D'accord? On nous aller encore dans. Même livre travail là chapitre
19. Ok. Travail chapitre 19. N'appli depuis dans verset premier. Ok. Arrivé dans verset 7. En aller. En temps Apollos de la ville Corinthe, Paul même t'a passé dans tout mon pays l'Asie, jusqu'à arriver la ville Éphèse. Les jeunes quelques disciples dans la ville là demandaient, est-ce que nous te recevoir Saint Esprit? Alléluia. Les nous te quoi? Ils répondent-lui, y'a pas de jambes dit nous te gagne un Saint Esprit. Les ça. Paul mande yo, qui baptême nous te recevoir? Yo répond li, baptême Jean. Paul dit yo, gloire à Dieu, Jean te baptisé moun qui te accepté tourner vin jeune bon Dieu. L'étape dit, peuple Israël la pou yo te kwè nan moun qui t'a vini d'après la. Qui vle di Jésus, verset 5. Lè yon tan de sa, yon mande pou resevwa batèm nan nom Seigneur Jésus. Verset 6. Apre sa, Paul mette men sou tèt yo. Tande bien, ou mes amis. Paul mette men sou tèt yo, et puis Saint-Esprit descend sou yo. Yo pran pale nan lang. Wow! L'autre pays, yo tap ba mesaj ki sorti nan bon Dieu, t'es gain 12 garçons comme ça en tout. Mais ça, mais bon, si tout bien, c'est ça, il clair comme ça. Alléluia. Si tout bien, c'est ça, il clair comme ça. Donc, on va avoir qui doute pour yon l'église t'a gagné, ou si on parle en d'autres langues, que t'a gagné pour le en ça. Donc, moi, pas avoir qui raison pour yon et l'église, donc pas quoi dans le ministère ça qui s'est parlé en d'autres langues. Parce que les bibliques sont bonnes. C'est pas un bagage que nous avons inventé, c'est pas un bagage, gloire à Dieu, l'église inventé, mais les bibliques, nous venons plusieurs côtés dans la Bible. Et là où nous venons pas ça mentionné plusieurs côtés dans la Bible, il faut nous mettre accent sur ça. Pas un jet là-dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, je vais faire nouer un verset. Quelques versets qui sont très importants et qui a été nous mieux comprendre. D'accord? C'est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. On a pris verset 26 là. Ok, mais ça le dit. Pour finir, qui ça me voulait dire même, frère mieux. Les nous semblait pour service bon Dieu, hein? Yon moun va gen yon cantique pour le chanter. Yon l'autre va gen kishoy pour le montrer nous. Yon l'autre va gen yon révélation pour le bail. Yon l'autre encore va gen yon message en langage. Son bon. Yon l'autre même va bail explication message là. C'est pour tout ça qu'a fait et dès l'église la grandi dans la foi. Si gen moun k'a parlé langage, faut gen deux ou trois, pas plus et puis yon après l'autre. C'est pour gen yon moun tout k'a expliquer ça y a dit. OK? Si pas gen moun ki pour bay explication, c'est pour moun k'a bay langage yo, tout résigner yo, pe bouche yo. Dans l'assemblée, il a parlé pour continuer dans le cœur à bon Dieu. Qui te m'explique ça? En premier lieu, nous voyons l'apôtre Paul n'a pas ignoré parler en d'autres langues, mais plutôt l'a établi une institution. Ça veut dire, il dit si il y a un monde qui parle en d'autres langues, il faut qu'il y ait deux ou trois personnes qui interprètent ça. Est-ce que vous comprenez bien? Ça veut dire, mais quel problème il y a? Et mais qui ça apôtre Paul te voulait dégager dans chapitre 14 là presque net. Apôtre Paul t'a fait comprendre que si on n'a pas d'autres langues,
faut que tu aies un autre qui a interprété qui message que Dieu va aller pour le bail à l'assemblée. Parce que mon yo pas attendre ça l'a dit. C'est ça qu'on pourrait lui dire si il y a un monde qui a bail un message dans la langue que tout le monde peut comprendre. Par exemple, nous dans l'église haïtienne, il y a un monde, un prédicateur pour le prêcher en créole. Eh bien, mon qui parle en d'autres langues, lui de faire silence, prier dans cœur. Pour le quitter prédicateur qui a prêché en créole là, pour tes messages qu'il a bail là parce que tout le monde est en de créole, mais au pas tant de langage que mon qui parle en d'autres langues, lui bail. Mais ça ne veut pas dire qu'il est interdit pour le monde parler d'autres langues. Non. Est-ce qu'on comprend? Dans un service d'adoration, bien un service louange, si bon Dieu utilise le monde pour parler d'autres langues, c'est bien ça. Mais dans les messages-là, dans les annonces qu'il y a, donc le monde qui parle d'autres langues, il faut qu'il fasse silence. À moins que la Bible dise si c'est un message qu'il a bail, il faut qu'il y ait un monde, deux mondes qui ont interprété le message que Dieu a lié. Et ça, que Saint-Esprit va lire pour qu'il transmette à Biblique. Ça veut dire, ce n'est pas un péché si un frère, une sœur parle en d'autres langues. Ce n'est pas un erreur et ce n'est pas un manque de compréhension de la parole de Dieu non plus. Mais les bibliques, on a plusieurs références qui sont claires, qui montrent que plusieurs ont parlé en d'autres langues. Pas seulement dans la fête là. À Jérusalem, les disciples ont tous parlé d'autres langues dans la langue, chaque nation était là. Mais parler d'autres langues, ils continuent d'aller plus loin qu'il a toujours. Ils sont bons. Donc, frère mieux, ou même que Dieu bénit pour parler d'autres langues, parler d'autres langues, mais vous capable. Ils sont bons. Seulement faire de la façon que la Bible a dit. Avec respect, si un prédicateur qui parle prêcher la parole de Dieu, ben nous, le monde qui parle d'autres langues, nous devons faire silence. Si c'est un message, tout le monde qui a parlé d'autres langues, le bon Dieu va aller pour le bail public, il faut qu'il y ait un monde qui a interprété ça. Ou bien, les mêmes, les commandes du bon Dieu, donc d'interprétation pour le cas interpréter, et plutôt, et chaque parole que Dieu va aller pour le cas bail assemblé. Donc, que grâce bon Dieu est capable de couvrir nous, que Saint-Esprit est entouré nous, moi j'espère que bon Dieu ne peut pas manquer, pas vider gaster sous nous en abondance. Donc, pas oublier, c'est les frères Jean-Rixen. Je m'encourage à arrêter la caisse, arrêter dans le pied, mon Dieu. Dieu fidèle, fidélité, mon Dieu, c'est pour tout le temps, il va bien me faillir. Que mon Dieu bénisse, soyez richement bénis, au nom de Jésus de Nazareth.